Lecture chantée pour le 19 février 2024. On va travailler sur la lecture chantée numéro 3. On a deux dièses à la clé. Donc à ce stade, soit on est en ré majeur, soit on est en si mineur. On regarde la dernière note de la mélodie. On est en si, c'est un si. Donc, on est en si mineur. Avant de commencer à chanter la mélodie, on va travailler notre mélopée en si mineur. La mélopée est composée de deux accords. Un accord de tonique, donc si, ré, fa dièse, donc si, ré, fa dièse, suivi de la quatrième note de la gamme de si mineur, donc la sous-dominante, mi. On redescend sur le mi. Et après, on enchaîne avec un accord de dominante, un accord de fa dièse majeur que l'on va chanter do dièse, la dièse, fa dièse. Et on reviendra sur la note si. Donc c'est parti. Si. Pour harmoniser cette petite mélodie, on va plaquer des accords de la gamme de si mineur. Ici, sur le fa dièse, on va plaquer un accord de cinquième degré, un accord de dominante, un accord de fa dièse majeur, que l'on va jouer la dièse, do dièse, fa dièse, avec des doigtés 1, 2, 5. Sur le si, ici, on va plaquer un accord de tonique, un accord si, ré, fa, dièse, avec les doigtés 1, 2, 4. Ici, sur le si, on va plaquer un accord de tonique, premier degré. Sur le fa dièse, un accord de dominante. Ici, sur le si, un accord de tonique. Sur le fa dièse, un accord de dominante. Sur ce si-là, on va placer un accord de tonique, un accord de si mineur. Sur le do ici, on va plaquer un accord de dominante. Et sur la dernière note, le si, on va plaquer un accord de si mineur que l'on jouera si, ré, fa dièse avec les doigtés 1, 2, 4. Avant d'accompagner cette petite mélodie, on va faire un 1-4-5-1 dans la tonalité de si mineur. On va d'abord placer la main gauche, donc le cinquième doigt, le petit doigt sur le si, le doigté numéro 2 sur le mi et le pouce, le doigté numéro 1 sur le fa dièse. Donc si, premier degré, mi, quatrième degré, fa dièse, cinquième degré. On va enchaîner donc d'abord un accord de si mineur que l'on joue si, ré, fa dièse avec les doigtés 1, 2, 4. On
enchaîne avec un accord de sous-dominante, un accord de mi mineur que l'on va jouer si, mi, sol. Ensuite, un accord de dominante, un accord de fa dièse majeur que l'on joue fa, la dièse, do dièse, fa dièse avec les doigts 1, 2, 5. Et on revient sur un accord de si mineur, si ré fa dièse.